C'est bon. La nouvelle église est au fond et les sculptures de Dijon. L'église de Tofo a été pensée, préparée, mise en œuvre comme un internat. Une paroisse vivante, un curé attentif aux hommes, des villageois se donnant pour leur maison. La communauté des bénédictines offre une bonne expérience, donnant les matériaux et les outils. Chaque sœur ayant une responsabilité. Sœur Emmanuelle sera l'infirmière du chantier quand il y aura besoin de soigner. Sœur Oscar, la comptable très précise, puisque certains maçons laisseront une part de leur salaire pour construire leur propre maison en dur. Sœur Myriam. Et les
encore demain une centaine de personnes qui travaillaient chaque jour avec simplicité en s'adapter aux besoins du jour. Les maçons étaient les chefs respectés. Et Sorchard, avec ses grands papiers, montrait vers quoi on avançait. Les tamponneurs ne fonctionnent pas dans un ordre rigide, formel. C'était plutôt une sorte de personnalisme communautaire qui permet des accents tout à fait différents à l'intérieur d'un même projet spirituel. Dans ce bel espace mis au service de l'ensemble des personnes.